Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est notre maître. Il est le tout en tout. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Frère Branham me dit,
Quand Jésus-Christ entrait à Jérusalem, il y avait des cris, il y avait d'Alléluia, il y avait des Hosanna. Même la chose qu'il transportait, même cet âne-là avait reçu cette même gloire. Vous croyez à cela? Et le frère Branham a dit, aujourd'hui, si ce même âne allait à Jérusalem, les gens le verront seulement comme ça. Pourquoi? La chose qui le transportait, la chose qui faisait que cette gloire-là, la chose qui faisait que cet âne ait de l'importance, n'est plus là. Vous croyez à cela? Jésus-Christ, dans ta vie, fera que tu sois quelqu'un de spécial. Jésus-Christ, dans ta vie, fera que les gens puissent prêter attention à toi. Dis à ton frère, Dieu rendra témoignage. Alors, sans plus tarder, mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean 5, 1, 9 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui entrait, qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade de plus de 30 ans, 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Dieu notre Père céleste, tu es Dieu, tu es le Saint-Esprit, tu es la parole parlée. Maintenant, je vais prêcher ta parole. Ouais-moi. Mais ce qui est du main à côté, que le Saint-Esprit descende sur moi, afin que je parle de ta part. Car tu es Dieu. Je me soumets à toi. Prends chaque partie de mon corps. Quand la parole sera prêchée, que celui qui est ici reçoive le salut de son âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais remercier encore une fois de plus le pasteur Monseigneur Séraphin pour la marque de confiance qu'il m'accorde ce matin. Ce n'est pas un hasard. Dieu savait, avant la fondation du monde, je devais prêcher en ces jours. Et je bénis l'Éternel pour ce qu'il ne cesse de faire dans son serviteur. Et je vous remercie encore davantage pour votre attention. Alors, ce matin, j'aimerais prêcher un sujet un peu bizarre que Dieu a mis dans mon cœur afin de bénir quelqu'un qui est ici.
Ce matin, je vais parler sur entrant dans la piscine. Bien que nous parlons sur le retour de la couronne de feu dans l'église, et j'ai un sous-titre qui est « Qui est la personne qui était dans la colonne de feu ?» Amen. Amen. Mais j'aimerais attirer votre attention, mes frères et sœurs. Quand Jésus-Christ est né, il est né comme tout le monde, comme tous les enfants. Mais il y avait quelque chose en Jésus qui faisait la différence entre ces enfants-là. Jésus-Christ est né d'une manière spéciale, différemment des autres enfants. Vous croyez à cela? Et Jésus-Christ est venu sous une promesse. La promesse avait déjà été annoncée qu'il viendra un enfant qui va sauver l'humanité. Et quand cet enfant est venu, tout le monde a su que l'enfant était déjà là. Les trois mages ont reçu la révélation, ont reçu l'étoile de Dieu qui les a indiqués qu'il y avait une étoile née sur la terre. Je veux entendre un amen. Et les trois mages ont dit, nous allons aller donner la nouvelle à Hérode pour un peu savoir comment ça pourra se passer. Et quand l'enfant est né, il y avait une étoile. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque personne assise ici a une étoile dans le ciel. Donnez-moi un amen. Chaque personne ici a une orientation au ciel. Cette étoile-là vous dirige. Cette étoile vous suive. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a mis à toi avant la fondation du monde. Tu me diras comment ça peut se faire. Quand Jésus est né, la chose qui a prouvé qu'il était né, c'était son étoile. Les mages ne savaient pas, ne connaissaient pas là où se trouvait l'enfant. Mais l'étoile dans le ciel, l'étoile dans le ciel a guidé ces trois mages jusqu'à Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et l'enfant est né. Et l'enfant devait grandir. L'enfant devait atteindre une certaine maturité. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Dieu a atteint 12 ans. Il commençait à parler de son père avant même que son père puisse entrer entièrement en lui. Il va prendre son baptême. Et quand il prend le baptême, il y a eu quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans sa vie. Vous croyez à cela? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un gloire à Dieu. Matthieu 3:17. Pendant qu'il vient prendre son baptême, Jean-Baptiste baptisait les autres. Jean-Baptiste voyez, regardez la promesse. Et quand Jean-Baptiste a vu cet homme venir aux eaux, la pensée de Dieu a frappé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, voici celui que j'attendais. Voici celui qui va sauver l'humanité. Voici celui sur qui la colonne de feu se reposera. Jean-Baptiste connaissait que c'était la fin de son ministère. Jean-Baptiste connaissait que là, il doit y avoir quelqu'un d'autre dont j'ai préparé une plateforme. Maintenant, nous ne pouvons pas rester
tout au même moment. Je dois diminuer afin qu'il puisse croître. Je veux entendre une gloire à Dieu. Matthieu 3, 17. Et voici, pendant que Jean-Baptiste l'a pris pour le tromper dans l'eau, une voix se fit entendre. Et la voix dit, voici, une voix fit entendre des cieux. Et la voix dit, celui-ci, celui-ci est mon fils bien-aimé. Est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Point. Cet enfant de Jésus a grandi. Il devait faire preuve de sa vie chrétienne. Son père était, son père n'était pas là. Sa maman n'était pas aussi là. C'est un enfant mystère qui est né différemment des autres. Et cet enfant a pris le baptême. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, la plénitude de la divinité, est entré en Jésus. Il lui dit, toute mon affection. Amen. Amen. Et Jésus deviendra un être double. Il a grandi. En lui, il y avait quelqu'un qui vivait. En lui, il y avait le Père qui lui disait de faire des choses. Il était un homme. Il était sujet aux tentations. Sujet aux maladies. Il avait les faiblesses comme toi. Il avait les faiblesses comme moi. Il avait les faiblesses comme tout le monde. Il pouvait se fâcher. Ton Dieu pouvait avoir sommeil. Ton Dieu pouvait avoir faim. Donnez-moi une gloire à Dieu. Et l'enfant devait être adopté. Matthieu 17. Au premier verset. Écoutez, je suis en train de sauter. 6 jours après, Jésus prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean, Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devaient blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que je construise trois tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Donnez-moi un amen. Et après, Jésus, à quelques instants de ce dialogue, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout
de mon affection. Écoutez-le. Jésus a changé de position. Il fut transfiguré. Il a quitté son corps physique. Il est devenu la nuée. Toute la plénitude de la divinité est entrée en lui. Il devient le coutelet. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi un gloire à Dieu. Entrons dans la piscine. Pourquoi nous devons entrer dans la piscine? Qu'est-ce que la piscine? Piscine ou fou? Vous voulez savoir? Nous avançons. Appelez Jésus sur la scène. Prêcheur 63, paragraphe 37. Chapitre 8, verset 37. Frère Branham me dit, souvenez-vous, dans la chair, il était juste un homme. Mais dans l'esprit, il était Dieu. Dans la chair, il était comme toi et moi. Mais dans son esprit, il était le créateur. Il était le tout en tout. Il était la colonne de feu. Il était le Jéhovah Jireh. Il était Dieu. Il était cependant un homme dans la chair. Par conséquent, son corps, c'était juste un être humain, sujet aux tentations, sujet aux maladies, tout autant que les nôtres. Étant donné qu'il était porté d'un corps, un homme, un humain, et puis il était Dieu dans l'esprit. Moi et mon père, nous sommes un. Vous croyez à cela? Jean-Baptiste. 38. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. La baptisé dans le fleuve de Jourdain. On peut dire à tel mot que la Jourdain. Nous voyons. Dieu descendre du ciel comme une colombe et la voix dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir de demeurer. 39, il dit: Dieu demeurait en Christ et en lui était la plénitude de la divinité. Corporellement, Dieu s'exprimait à travers Jésus. Et Jésus était la confirmation de Dieu. Le comprenez-vous? La confirmation de Dieu. Ce qu'il faisait en tant qu'un homme, c'était normal. On pouvait s'habituer à Jésus, mais à un moment donné, il pouvait changer de fonction, quitter la fonction de l'humain, entrer dans la plénitude de la divinité. Donne-moi une gloire à Dieu. Un alléluia. Nous passons au tableau. Je parle entrant dans la piscine. La Bible nous dit, devant cette porte, il y avait une piscine qui portait 5 portiques. Et ces 5 portiques n'étaient que des portes. Et Dieu qui n'a été. Amen. Ce n'était que des portes. Et qui quoi est debout? 5. Vous voyez? Belé mon nom. Et Frère Branham me dit que le naturel, j'allais mon nom, c'était
typifie le spirituel. Et là, ça veut maman pire. Et s'il y a un spirituel, c'est qu'il y a un naturel. Et s'il y a le naturel, il y a un spirituel. Et cette porte a cinq portiques. Et les cinq portiques signifient le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Donne-moi une gloire à Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans le spirituel. Vous croyez à cela? Et frère Branham me dit. Tout autour de cette piscine, il y avait des milliers de gens. Je vais vous le lire ici. Il a même déterminé combien de personnes qu'il y avait. Il a dit qu'il y avait 5 000 à 10 000 personnes qui attendaient que la piscine soit agité. Mais de soi-même, la piscine va s'agiter comment? Ici, ça va s'agiter comment? Mais remarquez avec moi, il y avait plusieurs personnes à l'entrée de chaque porte de la piscine qui attendaient le mouvement de l'eau des boiteux. Des gens qui avaient des problèmes. Les gens qui ne pouvaient pas, je ne sais pas, gagner de l'argent peut-être. Des gens qui avaient des soucis. Mais, frère Branham me dit, dans la piscine, c'est le lieu de grâce. Dans la piscine, nous trouvons la grâce. Amen. Amen. Dans la piscine, nous trouvons la solution. Amen. Amen. Dans la piscine, nous trouvons la guérison. Il y avait tout. 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 Sauf rien. Vous croyez à cela? Projetez-moi la piscine de Bethsaïda. Au paragraphe 5, 6. Paragraphe 7. Et 7. Dans la piscine, il y avait aussi la miséricorde. Dans la piscine, il y avait aussi la puissance. Dans la piscine, il y avait la mécanique. Dans la piscine, il y avait la manifestation. Remarquez maintenant, ils ne viennent pas à l'église. Bon, il y a l'église. Quand le pasteur, you pastor, place un associé, il ne prêche plus comme il se convient. Et les brebis commencent à fuir de l'église. Je t'informe ce matin. Tu es celui qui trouble Israël. Et le Dieu d'Israël ne dort pas. Le Dieu d'Israël ne somnole pas. C'est quoi Tolonia? Quand le pasteur n'est pas là, tu traites ces brebis comme des chiens. Quand le pasteur n'est pas là, tu ne prêches plus comme le pasteur te disait. Quand le pasteur n'est plus là, tu deviens orgueilleux. Je t'informe ce matin, ce n'est pas ton peuple. Tu as reçu une recommandation de surveiller les enfants de Dieu. Moi qui ai le banan tiami. Donnez-moi un amen. Le pas m'amen. Ça va chauffer ce matin. Soyez dans la chose. Quand la piscine sera agitée, ne sois pas distrait. Si tu as un problème, attends qu'elle soit agitée et tu entres en premier. Si tu rates l'occasion, c'est fini pour toi. Entrons dans la piscine. Hey, 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 mais jubilé. Jubilé. Nous parlons de le retour de la communauté dans l'église.
Pour recevoir la colonne de feu, tu dois sortir des organisations pour voir le retour de la colonne de feu dans l'église. Tu dois sortir des crédits. On doit seulement prêcher le retour de la colonne de feu dans l'église. Qui t'a dit ça? Je vois qu'il commence à... Il dévie le sujet. Qui t'a dit ça? Pour que tu vois le retour de la colonne de feu dans l'église, il faut aussi fermer la bouche. En soi, la colonne de feu doit avoir quelqu'un pour le manier. Tous ici, nous n'allons pas manier la colonne de feu. Mais Dieu a donné la commission à un homme qui ne connaissait pas l'héritage du pays, mais qui a été informé qu'il devait aller dans un pays étranger. Dans ce pays étranger, Dieu avait disposé un peuple pour supporter la colonne de feu. Vous croyez à cela? La piscine est Bethsaïda. Au paragraphe 6. Lorsque Jésus vint à la piscine, il était plein de compassion. Frère Branham me dit, quelqu'un qui est rempli de compassion, il a l'envie de faire la volonté de Dieu. Tout le monde, les yeux braqués sur la piscine. Pourquoi? Ils avaient la conception de l'église catholique. Ils avaient la conception de l'église des organisations. Mais ce jour, Dieu les a confondus tous. Ils étaient là. Mais il y avait quelqu'un dont frère Branham me parle qui n'était pas paralytique. Il y avait quelqu'un que les gens ne prêtaient pas attention. Il y avait quelqu'un que les gens insultaient. Il y avait quelqu'un que les gens minimisaient parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il y avait des gens qui insultaient les enfants de Dieu. Mais Dieu honore toujours ses enfants. Ces deux personnes-là étaient dans un coin, malades. Frère Branham me dit, il n'avait pas une maladie qui pouvait l'amener à la mort. Il était malade de 38 ans. Il lui dit, agite. Aide-moi. Ils sont entrés tous. Les gens étaient guéris. Les gens avaient la miséricorde. Les gens avaient la grâce. Les gens avaient le pardon. Il était tranquille, il n'avait pas de force. Il les regardait. Comment ils étaient agités. Mais le deuxième mois, la piscine a été agitée. Les gens ont profité. Seigneur, en comment? Ces frères s'y portent la veste. Abou, mama, la sango, du coula. Premier au 30, je n'ai qu'une seule veste. Moi, ben, Dieu te voit.
Non, Dieu te voit. Je n'ai pas entendu Dieu te voit. Non, Dieu te voit. Donne gloire à Dieu. Deuxièmement, je n'ai que la même robe tous les jours. Dieu te voit. Deuxièmement, troisièmement, tous, un bon matin, aujourd'hui encore, on va plonger. On va plonger. Ça, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Et l'eau qui se trouve dans la piscine, ce sont les individus. L'eau qui est dans la piscine, c'est toi. Oh, je n'ai pas entendu un amen. L'eau qui est dans la piscine, c'est toi. Pour que tu sois manifesté, il doit y avoir quelque chose d'inhabituel en toi qui va faire agiter la chose qui est dedans. Et frère Branham me dit, la profondeur, appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur quelque part pour répondre à cet appel. Quelle est cette profondeur? Remarquez quelque chose. Jean 5, 19 dit, le fils ne peut rien faire si son père ne lui dit de faire. Jésus est le Dieu. Était dans le Fils. Avant que le Fils ne prie pour un malade, le Père doit lui dire, va à tel endroit, il y a quelqu'un qui est malade. Le Fils exécutait la voix qui lui parlait là-dedans. Tous les trois, autant. Le fils ne peut rien faire si son père ne lui dit de faire. Maintenant, écoutez. Les gens pleins dans l'église, au lieu d'attendre le pasteur, au lieu d'attendre Dieu, ils attendent le pasteur. Je vous informe, le pasteur ne vous donnera pas la vie éternelle. Je n'ai pas entendu un amen. Les sœurs, dites gloire à Dieu. Le pasteur a des capacités limitées. Je le dis à haute voix, limitées. Il y a quelqu'un, vous donnez, qui est dans le pasteur, alors pasteur hein, qui fera que alors, vous soyez à la perfection. Le pasteur ne sauve personne. Pasteur, détrompez-vous. Du fait qu'il prie pour toi, ce n'est pas l'assurance pour le ciel. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois faire l'expérience personnelle avec ton Dieu de la même manière qu'il a fait l'expérience. Il doit t'amener à faire cette expérience. Tu achètes une pasteur, la voiture de 10 millions. Ce n'est pas une garantie pour le ciel. Si tu ne vis pas la parole, le pasteur partira et tu vas rester. Comment? Même si tu donnes au pasteur des millions, si ta vie est mauvaise,
Oublie tes milliards. Le pasteur va à l'envoi, va le manger avec appétit. Que le Dieu du révérend Mosengo soit aussi ton Dieu. Pendant qu'il prêche ici, si la piscine est agitée et que tu es distrait, c'est ton problème. Revenons. Le fils avait déjà reçu une recommandation que là-bas à la piscine, il y a des milliers et milliers de personnes qui t'attendent. Le père avait signalé, le terrain était déjà bon. Le fils vient avec la commission. Avec la commission dans un lieu où il n'avait jamais mis les pieds. Dieu, à ce temps-là, a changé de forme. Tout ce qu'il attendait sous forme de l'agitation de la piscine a attendu longtemps. Ce qui attendait que le pasteur vous bénisse, pendant sa prédication, vous aviez déjà été béni. Le problème, c'est quoi? Attendez l'agitation de la piscine. Attendez que la parole descende. Et quand les bénédictions viendront, saisis ton opportunité. Je veux entendre un amen. Amen. Tout le monde. 11h. Maya. 12h. 11h. 12h. 13h. 13h. Il n'y a aucun mouvement de la piscine. Oh. Bon, attendons encore un tout petit peu. 16h. 17h. Il y a 17h d'école. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais tous les mois, chaque fin du mois, elle est toujours agitée. Mais aujourd'hui, elle n'est pas agitée. Pourquoi? Dieu. Il y avait un ange qui agitait cette piscine. Mais ce jour-là, Dieu lui a dit, je veux entendre un amen. Dis à ton frère, serre ta ceinture. Dis à ta soeur, serre la ceinture. Minuit. Rien. Kilonya. Mais Dieu Djamé a changé des dispensations. Djamé m'ouvra antini mojandi. Branham tournait le dos à l'assemblée. Branham non père. Pour ce temps. Otantini. Ça ne se fera plus. Nous devons avoir des hommes qui ont rencontré la colonne de feu et qui savent manipuler cette colonne de feu. Les gens sont fatigués. Ils commencent à marcher. Ils regardent. Il regarde. Il voit un homme
qui n'avait pas d'importance. Il voit cet homme-là qui est toujours insulté. Qui voit cet homme-là qui était mince. Mais en lui, il y avait la plénitude. La plénitude de Dieu. Vous minimisez les gens. Parce que jubilé pour Jésus, bon, celui-ci n'a rien. Tu regardes à ma taille. Attention, celui qui est en moi est plus grand que les lois de Dieu. Attention. Il a un peu les cheveux, beaucoup de cheveux. Attention. Quand la piscine veut s'agiter, ça ne regarde pas la taille, mais ça regarde la disposition qui est dans ton cœur. Attention. Dieu travaille dans des hommes. Attention. Tu risques de critiquer quelque chose. À la fin, tu récoltes les conséquences. Attention. Dieu a deux pieds. La divinité marchant vers la piscine. La divinité marchant vers la piscine. Mais quand il arrive, il a passé la piscine de Bethsaida. Tout ce qui était là, mais où va-t-il? Dieu n'a pas prêté attention à toute cette foule. Frère me dit, il est allé chez quelqu'un qui n'avait pas une maladie mortelle. Pourquoi? La grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu est grâce. C'est quand vous la recevez, on est grâce. Crie à haute voix, j'ai la grâce. J'ai la grâce. J'ai le pardon. J'ai le pardon. J'ai la colonne de feu. Jésus est passé. Il est allé chez celui qui était malade. Il le regardait. Il lui pose la question. Vêtu. Être guéri. Dis à ta soeur. Veux-tu être guéri? Je vais finir, pasteur Jubi. Maître. En comment? Comment? Long abon. Je veux être guéri. Quand l'ange descend et qu'il agite la piscine, mais je n'ai pas quelqu'un. Les frères qui n'aiment pas aider les autres. Vous avez eu l'expérience personnelle avec Dieu. Prends aussi ton frère. Montre-le le chemin. Là où tu l'as croisé. Je n'ai personne. Même vous, Donia. Pour me jeter dans la piscine. Jésus lui regarde. Jésus, qu'est-ce que vu qu'il avait la compassion. Il lui dit. Prends ton lit. Prends ton lit. Les gens ont tiqué. Nous qui avons les cas graves à l'église. Nous qui avons le sida. Nous qui avons le péché.
C'est Dieu qui fait miséricorde. Tu peux être estropié. Dieu ne regarde pas à ça. Mais quelqu'un qui a mal à la tête au fond là-bas, c'est celui-là sur les yeux de Dieu. C'est celui qui est là-bas. Que Dieu a eu compassion de guérir en ce matin. Un gloire à Dieu. Et cet ange-là n'avait plus agité. Pourquoi? Dieu devait prendre lui-même les commandes de la chose qui pouvait mettre fin aux critiques. Vous croyez à cela? Appelez Jésus sur la scène. Laissez ça à Jésus. Paragraphe 74. Ça, c'était la piscine. Ici, maintenant, vous représentez cette piscine-là. La piscine, c'est l'église. En ce temps de la fin, il y aura un ange qui sera au-dessus de l'église. Quand il descendra, il va agiter la piscine. Il va agiter ce qui est en toi. L'onction descendra sur toi. C'est à ce moment que tu trouveras solution à ton problème. Écoutez. Appelez Jésus sur la scène. Paragraphe 74. Prêché en 63. Amata 63. Porte au. Je sais pas, videz-moi ça. Vous allez comprendre un exemple très clair. Oui, je sais pas. Qu'on puisse vider ça. Je sais pas, quelqu'un pour verser. On va juste prendre un exemple. Dieu! Jamais. La colonne de feu Benjamin a apparu à Paul. Les troupes de Paul sur le chemin de Damas. Oh, il a dit Damas. Pendant que Paul partait, Paul a il avait reçu une lettre qui montrait qu'il devait persécuter les enfants de Dieu. Mais Paul a oublié que dans ses enfants il y avait quelque chose de spécial. Il est allé. Arrivé à Damas, la colonne de feu Benjamin est descendue pour barrer la route à Saul. Saul regarde tellement que c'était une lumière volumineuse, ça tuait les yeux, ça l'a rendu aveugle. Et Paul se pose la question: mais qui es-tu? Cette colonne de feu avait un mystère là-dedans. La colonne de feu n'est qu'une forme. Mais derrière la forme, il y a un être surnaturel. Pourquoi me persécutes-tu? La colonne de feu, derrière la colonne de feu, il y a une voix. Et cette voix-là, c'est ton créateur. Cette voix-là, c'est celui qui a créé les eaux. C'est le même Dieu qui chevauche dans chaque génération. Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Je suis le Dieu du présent. Je suis celui que tu persécutes. Mais Paul, allez tuer des chrétiens. Ma chrétien. Dans le chrétien.
il y avait la sémence de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'était la colonne de feu apparue à Paul de Tarse. Et la voix lui a parlé. Oh moi, mais j'ai rencontré la colonne de feu. C'est bien. Qu'est-ce que la colonne de feu t'a dit? Benjamin. Cette colonne de feu Benjamin, qui marche avec Séraphin, je l'ai croisé face à face. Nous disons amen. Quel est le message qu'il t'a donné? Parce que quand il a parlé à Moïse, derrière la voix, il y avait des signes. Moïse nous a fait savoir qu'est-ce que la colonne de feu lui avait dit. Paul a dit, qui es-tu? Parce que Paul n'était pas habitué à la colonne de feu. Mais une fois qu'il l'a rencontré, la voix est sortie derrière cette colonne de feu. Paul lui a dit, Jésus lui a rendu aveugle. Il devait passer par un processus afin qu'il puisse recouvrir la vue. Donnez-moi un amen. Mais remarquez, en ces temps de la fin, Frère Branham me dit, tout. Alors, Dieu dit, tout ce qui était, mais qui est sort, tout ce qui était, mais qui est sort, en qui? Pleina. Ce qui était en Dieu. Mais qui, comme nous sommes la parole parlée, Dieu doit manifester la parole parlée. Quelle parole parlée? Avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui, tu étais dans la pensée de Dieu. Et Frère Branham m'a dit, la pensée, c'est la parole exprimée. Il a pensé à toi. Et il dit, tout ce qui était en Dieu. Je vais m'arrêter ici. Trois frères seulement. Papa Chris, s'il vous plaît. Vous attrapez ça. Prenez la deuxième bouteille. Troisième bouteille. Vous allez comprendre par ceci que Dieu n'oublie pas ses enfants. Tout est sort. Ce qui était, mais qui, dans le Père, Otatada, tout, et ça, ce qui était dans le Père, mais qui, Otatada, Frère Branham dit, Thomas Branham dit, le Père l'a dévincé en Jésus, Tada, ama il a dû être Otat Jésus. Qu'est-ce qui était dans le Père? La divinité. Qu'est-ce qui était dans le Père? La colonne de feu. Qu'est-ce qui était dans le Père? La mécanique. La puissance. Qu'est-ce qui était dans le Père? L'onction. L'onction. Dieu, c'est notre frère Christ. Jamais, frère Christ. Mon papa. Tadam. L'a déversé. Non. Bloquez la bouteille. Bloquez la bouteille. L'a déversé dans le Fils. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu l'a déversé dans son Fils. Donc tout ce qu'il était est entré dans le Fils. Le Père est resté vide.
Nous n'avons plus besoin de lui. Pourquoi? Si nous voulons voir la grandeur de Dieu, on doit regarder au Fils. Donnez-moi un hosanna ici. Donnez-moi un gloire à Dieu. Donnez-moi un alléluia. Le Père Tada est resté vide. Frère Banam dit, et il s'est supprimé. Frère Banam dit, no tu obidi. Pourquoi? Mama, parce que Jami, il est entré dans son Fils sous forme de l'esprit, sous forme de la puissance. Maintenant, on n'a plus besoin de frère Christ. Si on veut voir Dieu, le Fils, Moana. Frère Branham dit, et tout ce qui était en Jésus, oh Jésus, Jésus l'a pris. Jésus l'a pris. Jésus l'a pris. Qu'est-ce que Jésus a fait? Oh, Jésus a fait la condamnation. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait la plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. De la divinité. Oh, ton commande. On est avec le Fils. Le Fils est venu sur la chair humaine. Il a marché à Galilée. Il a mangé du pain. Il a dormi. Il a frappé les gens. Il était un homme. Mais en lui, il y avait une fonction qui marchait à quelques minutes de la première fonction qui était la fonction humaine. Le Père Tada a vu qu'il doit partir. Demande à Dieu. Mais il ne doit pas laisser la nation sans un témoin. Et le témoin, c'est toi. Le témoin, c'est toi. Je t'informe ce matin que Dieu te connaît. Je t'informe que ta vie est liée à la voix de Dieu. Et ça, ce qui était. Mais qui? Frère. Abouam. Prépare-moi question-réponse numéro 1. Question-réponse numéro 1, Chom. Paragraphe 264. Paragraphe 264. Je vais terminer par là. Non, mais même en Obédia. Tout ce qui était. Mais qui? En Jésus. Oh, t'as Jésus. C'est bon? Il dit. Il a déversé. Donc il est cadé dans Ocha dans Ocha son église. Ocha église ende spirituellement parlant. Moi dois abonder l'église aujourd'hui. L'église est levée. L'église aujourd'hui, l'église est levée. Frère Branham me dit, Thomas Branham ce sont les individus. Ce n'est qu'un bâtiment que nous avons construit pour nous abriter. L'individu, c'est toi. Que tu sois bébé, maman, coco, grand-père, il s'agit là de toi. Dieu a pris la divinité.
Jésus a pris la divinité. Jésus a pris l'onction. Jésus a pris la plénitude. Il a déversé dans son église. Jésus, na Jésus est resté vite. Vous cherchez Jésus dans l'église organisation. Vous cherchez Jésus dans l'église catholique. Jésus n'est plus là-bas. Jésus est quoi? Aujourd'hui, Jésus est dans les chairs humaines. Et le amour. Jésus restait vite. Jésus a qui l'on dit, on a. Tout ce qui était là. Mais qui entendait ça. Si vous voulez voir ça aujourd'hui. Si vous voulez voir ça aujourd'hui. C'est en tour. Et lui, ciao. La plénitude de la divinité. Puis n'en jamais ça. C'est en toi, maman Bina. Et lui, ciao. La plénitude est en toi. Puis n'en jamais ça. Tu as l'onction. Voilà l'onction. Tu as le pardon. Voilà. Tu as le miracle. Et un miracle. L'Église a reçu Mbasa, toute la plénitude. Pini et son de la divinité. Tu as besoin d'un enfant Mwana, dans l'Église. Église. Tu as besoin. You are ça. Le salut, le salut n'est pas dans l'église catholique. Côté église catholique, le salut est en Christ. Eli, ota Christ. Le salut devient en toi. Parce que Christ t'a fait confiance. Christ, maintenant, dois jeter la piscine dans ton cœur. Et quand je vous parle de la piscine, je parle de toi. Ce que tu as reçu est en toi. Mais la parole doit agiter cela. Parce que Frère Branham me dit, si vous prenez la parole, vous laissez Jésus, vous n'avez rien fait. Si vous prenez Jésus, vous laissez la parole, vous n'avez rien fait. Pourquoi? C'est la même chose. Je vais finir, s'il vous plaît. Et Frère Branham me dit, il a déversé dans l'église. Si c'était divisé au jour de la Pentecôte, cette colonne de feu est descendue. C'est divisé. La gloire de la Shekinah. Et Dieu l'a mise dans différentes personnes. De langues étaient visibles. De chacun d'eux. Le Saint-Esprit, Dieu, s'identifie dans des êtres humains. Prends la brochure. Frère, question réponse numéro 1, paragraphe 264, s'il vous plaît. C'est mon dernier jour et c'est mon au revoir. S'il vous plaît. Frère, 264. Oh, merci Jésus.
Écoutez. Maintenant, la Bible dit, la Bible dit, si vous m'appelez prophète, si bon, tu sais, prophète, je ne dis pas que je le suis. Mais puisque vous m'appelez ainsi, souvenez-vous, je vous le dis, au nom de Jésus, au nom des prophètes, voyez, au nom des prophètes, que la résurrection et l'enlèvement seront universels. Peu importe où vous êtes lorsque cette heure arrivera, vous serez enlevé pour aller à la rencontre. C'est tout. Rien ne va vous arrêter. Peu importe où vous êtes, peu importe à l'extrémité, avancez. Et j'espère seulement que j'y serai, que je serai l'un d'entre eux. Pour être l'un d'entre eux, tu dois avoir tout ce que le Père, le Fils avait déversé dans l'Église. Qui est l'onction? Qui est la colonne de feu? C'est celui qui a manifesté Malachie 4. Qui est la colonne de feu? C'est celui qui a manifesté Luc 17, 30. Qui est la colonne de feu? C'est celui qui est la lumière du soir. Qui est la colonne de feu? C'est le quatrième homme de la fournaise ardente. Qui est la colonne de feu? C'est celui qui... C'est le Dieu de Branham. Jama Branham. Qui est la colonne de feu? Benjamama. C'est le Dieu de Baruti. Jama Baruti. Qui est la colonne de feu? Benjamama. C'est le Dieu de Mosengo. Jama Mosengo. C'est lui la colonne de feu. Benjamin. C'est lui la colonne de feu. Benjamin. Qui est celui-là? De Yohanabu. Qui est dans la colonne de feu? Benjamin. C'est celui qui discerne les pensées. Vous l'avez mené. Qui est celui-là? Qui est dans la colonne de feu? Allô, t'as Benjamin. Frère Branham me dit. C'est celui qui protège l'Église. Vous, à qui est l'Église? Que Dieu vous bénisse. Jamais, on y a manabé.